Hello! I'm hey, Marco. Ciao Fernando. Oh, mais c'est belle là. Hey, Anke <laughs> Hey, salut tout le monde. On vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Si c'est possible de mettre vos noms, ça serait le fun. Comme ça, on va voir. Allô, Hélène. Hello euh, toutes les autres. Oh my god, Gaëtan. Hello Audrey, Valérie. Hello Nicole. Ah. Euh, mon Dieu, il n'y a pas tous les noms. Mais euh, Willette, Lévègue, Allo Elisabeth, Sylvie, plein de monde. Écoute, on va attendre un peu. Hello Pierre. On va attendre un peu que les gens arrivent. Euh, my God, merci beaucoup d'être ici. Est-ce que le son est bon? Vous m'entendez? Bon, aussi. Et Fernando aussi. Bonjour. Bonjour parfait Oui, gardez vos micros fermés. Seulement Fernando et, euh, et moi avons le droit de parole. On est supposé être une. Euh, en fait, euh, qui sont abonnés, on est supposé être une trentaine, mais ça se peut qu'il y ait d'autres mondes euh, parce que euh, c'est libre à tout le monde. Puis il y en a qui demandaient euh, si ça allait être euh, enregistré. Oui, on va enregistrer la conférence et on va la. On va la, la publier euh, sur mes réseaux euh, sur l'Italie avec Cagliari, Facebook. OK. Bonjour, bonjour. Juste une question, Marc, euh, tous les collaborateurs. Est-ce que les gens qui sont là, est-ce que vous êtes déjà inscrits ou vous attendez d'être inscrits sur le programme? <laughs> parce qu'on ne peut pas les entendre alors ah ok mais il peut non. faire avec le doigt qu'ils sont inscrits qu ils sont pas inscrits oui peut-être le... inscrits pas inscrits <laughs> uh, inscrits à haut pas inscrits à bas good 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 wow ok c'est dommage le fun et je vous présente Geneviève ma copine bonjour Geneviève là mais bon Geneviève la voix euh, qui va s'occuper de de, de mettre le PowerPoint parce qu'on va à travers, on va vous montrer des images, des belles images préparées par Fernando, Pina, et Tania de Bellatour. Euh, alors, Geneviève va être aux commandes. Et elle va être aussi avec nous dans le voyage avec Milan, ma fille aussi. <laughs> Ça est pas mal plaisant. Bien. Alors, est-ce qu'on garde un peu de temps encore? Il est 18h31. Ben, écoute, on euh, peut déjà, sais quelque chose. Écoute, Marie, oui, oui. c'est voyage qu'on qu a présenté, qu'on va faire. Euh, c'est magnifique. C'est là qu'on a fait l'année passée, dans les Pouilles. Là, cette année, on a un autre qui, qui touche la Méditerranée, romagne et puis, euh, la Toscane, la, la Vénétie aussi, et Rome. C'est quand même un peu, on fait du voyage mais c'est très intéressant parce qu'on voyage, on ne touche pas beaucoup d'hôtels. Les hôtels, les, 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 les hôtels, Soit à et soit à Cotepi, ce sont au bord de la mer. Oui. C'est au bord de la mer parce que c'est quand même les gens qui ne veulent pas acheter des options facultatives, comme tu sais. Les gens, ils peuvent facilement aller se baigner, se promener et faire des choses intéressantes, n'est-ce pas? Ça, c'est l'idée. L'idée de la société de faire un voyage et laisser les gens libres de faire qu ce qu'ils veulent. Parce qu'on ne veut pas non plus obliger de à faire des choses. Exactement. En fait, c'est la huitième. Ah, oh, Geneviève? Une question. Audrey Valérie, tu viens en Italie? Quoi? T'es-tu inscrit? Ben là, écoute, je participe à la soirée, je <laughs> ouvert mon micro. Mais écoute, moi j'ai vraiment le goût de partir avec vous autres. Là. Ok, je ne voulais pas déranger, ouais. mais là, je vais être comme Oh my God. <rire> Valérie, Valérie, <rire> attendez voir la présentation avant de prendre la décision. <laughs> oui. mais... Je vous explique un peu, c'est la huitième édition de l'Italie avec Cagliari. J'ai commencé en 2014. Il y a deux années, bien sûr, qu'on a euh, skippé euh, à cause d'un petit phénomène planétaire. Et euh, en fait, euh, moi, j'ai commencé ces voyages-là, l'Italie avec Cagliari, parce que j'ai eu, euh, une fille qui s'appelle Milan, c'est mon seul enfant. Et je voulais trouver un moyen de l'amener avec moi en Italie, mais pas en tournée, parce que je tourne en Italie depuis les années 2000 depuis le début des années 2000, mais je voulais trouver un moyen de l'amener plus familial, euh, plus en famille. Et fait que euh, j'ai commencé ça en 2014. Euh, la première année, on a fait la côte amalfitaine. La deuxième année, la Toscane. La troisième, la Sicile. La quatrième, le lac de Garde avec le Trentin et la Vénétie. Ensuite, on a skippé deux années. On a fait la Calabre. Ensuite, on a fait les Pouilles et la Basilicata. Et cette année... Ben, cette année, c'est spécial parce que c'est une année d'anniversaire, en fait. C'est mon 50e anniversaire. Euh, oui, je sais, j'ai de l'air 62, là, mais je vais avoir 50 ans cette année. Euh, et donc, euh, tout ça pour dire que c'est mon anniversaire à la fin août, fait que tu, je, je vais être tout fraîchement euh, 50 ans. Et euh, la l'affaire qui me, qui me touche le plus, c'est que je vais en le 30e anniversaire. D'un moment très, euh, très spécial pour moi, où quand je suis débarqué à 20 ans en Italie, parce que moi je suis né au Québec, je suis allé en Italie avec mes parents euh, très tôt, j'avais 7 ans, et je me souviens de, de, de ce voyage-là comme si c'était hier. Puis à un moment donné, je suis retourné fêter mes 20 ans, j'ai passé un mois et demi en Italie, dans la famille et aussi à travers un, un, un genre de séjour avec le Trentin. Le Trentin, c'est. C'est euh, la région d'où mon père vient. Et bref, en quelques mots, c'est que je me suis ramassé sur la plage de Igea Marina à côté de Rimini dans l'Émilie-Romagne. Et là, ben, j'avais ma guitare avec moi. Je grattais de la guitare avec un Italien de la place, Franco. Et ensemble, on a décidé de faire un spectacle dans, dans le, la soirée euh, devant l'hôtel. Et là, on s'est mis à gratter nos chansons, mais nos, notre répertoire, c'était. Euh, beau Dommage, les colocs, Van Morrison, les Beatles et Franco qui jouait que du, des trucs américains, uh, Red Hot Chili Peppers et compagnie. Fait que on mélangeait ça, puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans l'assistance, la, la, un, un homme d'un certain âge, qui a demandé pourquoi vous ne jouez pas en italien? Et là, c'est là que le moment euh, est arrivé où je me sentais tellement gêné. Euh, parce que je ne connaissais pas de chansons italiennes. En fait, je n'étais pas capable de jouer des chansons italiennes. J'en connaissais, mais je ne les jouais pas. Alors, je, je regarde Franco, Franco qui vient d'Italie, il n'en connaissait pas. Alors, quand je suis revenu à Montréal après ce voyage-là, j'ai acheté un livre de chansons italiennes, j'ai appris Bella Charles, j'ai appris des chansons napolitaines et j'ai commencé à écrire mon premier album qui, cette année, fête son 20e anniversaire, mon album. Mais là, on s'en va en Italie, Amen. en Italie romagne pour fêter ces 30 ans-là, fait que j'amène mon public. En Émilie-Romagne et ça se peut, surprise, ça se peut qu'il y ait un spectacle dans ce coin-là où est-ce que tout a commencé pour moi. Ok, on y va parce qu'on a des photos. À on y va. On est jusqu'à 40 minutes. Quand un Italien commence à parler, il faut l'arrêter avec la police. Cousi. <laughs> ok, on commence le programme, jean Allez-y. Ok, alors euh, ça c'est la prise en photo. Est-ce que pour, tu peux l'agrandir, jean -Dier? Voilà. La première photo qui représente en fait notre voyage, le voyage avec Marc y et voilà. Voici, voici tu une photo là. Alors naturellement nous on part avec Air Canada de Montréal destination Venise, en fait Venise. On arrive à Venise naturellement c'est marqué en bas mais on ne voit pas l'heure. On arrive à Venise naturellement et on s'en va voici jean Geneviève, tu peux y aller. On s'en va à Yesola. Yesola, c'est au bord de la mer, pas loin de Venise. C'est une place extraordinaire. Euh, on peut facilement rester une semaine là, beaucoup d'hôtels. C'est une place où les gens, ils font naturellement les vacances d'été. Surtout les gens qui venaient de la Russie, des pays de l'Est, beaucoup, beaucoup de gens qui passent les vacances. Allez, oui. Allez, j'aime bien. Prochaine photo. On est là voilà. deux nuits, en fait. Voilà, on est deux nuits ici. L'hôtel, vous voyez, l'hôtel est sur le bord de la mer. C'est toujours des quatre étoiles, les hôtels, n'est-ce pas, Marco C'est des quatre étoiles, bien oui, situés, oui. bien propres. Et naturellement, chaque soir, chaque matin, le petit déjeuner buffet. Et le soir, on a notre souper. Ça, c'est le typique des chambres, naturellement, qu'on a. Et naturellement, qu'est-ce qu'on fait Les gens, vous êtes libres de faire qu ce que vous voulez, sans problème, au bord de la mer, tout ça. Mais on veut offrir, qui veulent parce que on, on le fait exprès, parce qu'il y a des gens qui sont déjà allés à Venise. Alors, moi, je ne veux pas aller à Venise. Alors, les gens, ils peuvent rester sur la plage. Mais si vous voulez pas rester sur la plage, un bateau privé, on a loué. On loue un bateau privé et on va à Murano. Voici, photo. Voilà, ça, c'est Burano. Voilà. On va à Burano. Burano, c'est une place, moi, j'adore mieux Burano. Que, que naturellement, que Venise, parce que c'est élégant, les couleurs des maisons. Mais c'est extraordinaire passer euh, presque une euh, demi-journée ici. Là. On passe ici une demi-journée, le temps de lancer, naturellement. Et après, on prend le bateau privé, on s'en va à Venise. À Venise, on a tout l'après-midi qu'on passe à Venise, qu'on est là l'après-midi. Naturellement, on a du temps à voir les pigeons, etc. Prochaine photo. <laughs> On a Surtout pas, les pigeons vivants, moins les pigeons euh, décédés. Voilà. Et après, <laughs> euh, naturellement, on, on a le temps de se promener, découvrir Venise. Vous oui. savez, Venise, c'est n'est pas grande. Il n'y a pas d'auto, pas de taxi, il n'y a rien. Il faut tout faire ça à pied. Et les gens qui veulent, ils peuvent facilement se promener à droite, à gauche. De toute façon, moi, je suis le guide. Moi, je vous guide sur place pour vous donner des signes où aller, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et si vous voulez bien, vous pouvez faire un tour à gondole aussi. Pourquoi pas, ça coûte environ 70 euros pour 5, 6 personnes. Mais 5, c'est idéal. 5 personnes, 75, 70 euros divisé par 5, par 5 naturellement. C'est le pont de soupir, naturellement, à les gondoles. les gondoles un peu partout à Venise. Bien, on va s'arrêter 30 secondes ici, si bien s'il vous plaît. Après deux jours, on quitte la Venise, on quitte l'hôtel, on quitte la région de Venise, on se va à Bologne. Pour faire un tour de ville guidé, compris dans le forfait. Euh, un tour de ville guidé de Bologne, vous savez, Bologne, c'est une ville extraordinaire. C'est là était la première université du monde. La première université dans le monde était faite à Bologne. Et à Bologne, il y a la médecine, à part la, le jambon, les tortellines, tout ça. Bologne, c'est une ville très intéressante à visiter. On va la visiter. J'ai très hâte de la visiter avec vous parce que je ne suis jamais allé à Bologne et tout le monde me parle de Bologne, alors j'ai très hâte d'aller avec vous. Autres. OK. Voilà, c'est la ville. C'est une très, très, très jolie ville intéressante, naturellement, mm. Bologne. Très intéressant visiter Bologne. Bien, après ça, on va quitter Bologne, mais on se dirige naturellement à Cesenatico. On a un hôtel quatre étoiles au bord de la mer. Okay. En Émilie-Romagne, là on garde, on est sur la même côte, on descend la même côte. Et euh, en Émilie-Romagne, on, on débarque à Cesenatico. Oui, on est, on est là quatre nuits. Dans cet hôtel à Cesenatico, quatre nuits, c'est un hôtel quatre étoiles. On a le petit déjeuner le matin du buffet et le souper le soir. Et pendant la journée, il y a des jours où vous êtes libre à Cesenatico. Vous savez, Cesenatico, c'est une place idéale. Pour les vacances. Beaucoup de gens qui viennent de Milan, euh, qui viennent de, euh, de la France, ils passent des vacances à Chessinatico. C'est vraiment une place extraordinaire d'y de passer et, des vacances à Chessinatico. Et en passant, euh, ben, je choisis toujours mes voyages dans cette période-là parce qu'il fait encore chaud. L'eau est chaude, il y a un peu moins de tourisme et en plus, c'est hors saison, donc on paye un peu moins cher. Mais vraiment, l'eau, on se baigne, on se baigne, puis les 10. 10 nuits sur 11, on est sur le bord de la mer. Alors là, c'est les quatre nuits ici en émilie romagne que vous voyez ici, c'est magnifique. OK, photo, photo. OK, encore des photos que vous voyez à Cessinat. Attention, ah non, piano, piano, lentement. Là <laughs> maintenant, on va visiter Ravenne. La Ravenne, c'est la capitale des mosaïques d'Europe. Il y a des mosaïques qui sont de toute beauté. Allora, on fait un tour de ville di Ravenne avec un guide. Naturellement, on visite des de belles places de, de Ravenne. Très intéressante, cette ville. C'est une ville avec beaucoup de mosaïques. C'est la capitale des mosaïques d'Europe. Très, très jolie, naturellement. Un'altra photo. Voilà, regardez des mosaïques. Encore un Geneviève. Mm -hmm. Voilà, regardez ces mosaïques. Vous savez, c'est des morceaux de mis ensemble. Et beaucoup de patience à l'époque que les gens avaient, aujourd'hui on ne l'a pas mais c'est de toute beauté voir ça, là, vous restez avec la bouche ouverte et là on est encore dans un, un, excusez, une sortie euh, oui. facultative facultative, naturellement comme je vous disais Exactement. au début vous restez à l'hôtel, faites faites ce que vous voulez Exactement. mais si vous voulez faire une promenade aller vous promener, voir des, des choses, il y a des prix naturellement que vous avez un forfait à payer naturellement, et nous on va chercher de faire les prix L'écoutant comme combien ça coûte pour faire ça c'est le, le mausolée des mausolée d'un ancien romain qui a fait son en enfin, fait euh, son enterrement de maurice très intéressant qu'on va visiter naturellement bien mm -hmm. ça c'est encore à Venise. Euh, san vitale très intéressant cette église à l'intérieur qu'on va la visiter san vitale il y a un fret d'entrée mais c'est compris après ça on va quitter on va visiter san marino c'est la République de San Marino. San Marino ne fait pas partie de l'Italie. C'est une république, c'est un État qui est à l'Italie, mais est complètement séparé de l'Italie. En fait, c'est San Marino, la République de San Marino. Très intéressant. On va visiter, vous avez du temps pour, vous avez à San Marino, il y a 35 musées. Je ne pense pas que vous pouvez les voir, mais il y a de, certaines choses qui sont très intéressantes. San Marino, c'est magnifique. C'est vraiment une ville fortifiée. C'est juste, juste marcher à Saint-Marin, c'est magnifique. Il y a comme trois tours. Je me souviens comme si c'était hier, il y a 30 ans, <laughs> mais c'est comme si c'était hier. Euh, J'ai hâte de retourner là avec vous. Euh, regardez comment c'est magnifique. Je me souviens d'avoir marché tout ça. À certains, quand on parle des marches, marque tous nos oui. programmes, les gens, ils peuvent le faire sans problème. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est difficile de faire ça, mais tout le monde peut mmh. faire ça sans problème, euh, sans euh, aussi aussi partout. Bon, après, naturellement, quatre jours, oui. il y a une possibilité, Marc, que ne sais pas si tu es au courant, probablement, il va y avoir un spectacle, et pas encore confirmé, mm -hmm. avec tes amis à toi, on a, je suis en train de programmer une journée complète pour faire un spectacle dans un petit village, comme on a fait cette année. Alors, ce n'est pas confirmé, mais il y a une bonne, bonne, bon espoir qu'on peut faire ce spectacle. La musique, toi, avec des amis, ça va être très intéressant. Euh, est... Et on le fait ici, naturellement. On n'est pas loin de Pise. La ville s'appelle Tirénia et c'est au bord de la mer. Ici, on reste quatre nuits. En passant, en passant, mes amis, regardez ces photos-là. Regardez cette photo. Cette photo, euh, la photo précédente, mais ce n'est pas grave. Cette ah. photo, euh, la photo que vous voyez avant. C'est Mousseline qui a fait ça pour faire plaisir à sa mère. Alors Le... on va être dans un hôtel construit par notre. Euh, il, a fait notre... il a fait construire l'hôtel. Il <laughs> a fait construire cet euh, enfin, C'est un centre pour femmes. Il okay. a fait construire au nom de sa mère. Mon Dieu. Okay. Aujourd'hui, on a transformé différent. Maintenant, c'est un hôtel de toute beauté. Ok et l'hôtel regardez à droite l'hôtel et ici on a la plage vous avez le droit d'y aller sur la plage vous baignez prendre du soleil etc etc volley et volleyball. sans problème vous on faire la... du sport mais ici qu'est-ce qu'on fait aussi on a des activités vous pouvez rester là quatre jours, sans rien faire la plage les manger le soir bla 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 sans problème mais si vous voulez faire des activités avec nous plaisir on a des activités allez-y exactement on, Donc là, on a changé de côte, là, on est... Euh... Oui, oui, on est, on est, on est naturellement à ouais. on est de l'autre côté, euh, la mer, euh, au-delà de Adriatique, on est en mer Tyrienne. Ça, c'est typique des chambres qu'on a, on a toujours, en général, en général il y a deux liens en bas et un lien haut, c'est ça, la de euh, typologie des chambres qu'il y a dans cet hôtel à Tyrienne. Vous voyez la plage, magnifique plage les gens peuvent se baigner, aller se promener sur la plage, faire des marches, faire des activités, etc. Mais on vous propose des activités. On va à Florence. Florence, le berceau de la Renaissance italienne. fait partie de l'UNESCO. L'UNESCO, c'est le patrimoine mondial de l'UNESCO. Mmh. Et on, a, on, on arrive à Florence et Florence, on a un guide qui va nous guider à Florence. Florence, c'est magnifique comme ville. Alors, le matin, on fait un tour de ville. Après, L'après-midi, vous allez avoir du temps libre pour vous promener à droite, à gauche. Quitte, si vous voulez, vous pouvez aussi visiter euh, aussi des musées. Vous savez, il y a 36 musées à Florence. Alors, Florence, c'est la capitale, c'est la, la beauté, la construction et tout. Euh, Santa Marie des Fiores, c'est une église avec le baptistère. Naturellement, la guide elle va vous parler de ça sans, sans faute. Mais très, très belle ville, Florence. Vous allez, vous allez adorer ceux qui sont jamais allés à la Florence. C'est une très jolie ville. Santa Maria Novella. Mm. Très jolie cette place aussi. Vous voyez la, le type de pierre qu'on prend en Toscane qui vient sous la côté de Pisa. Regardez la même partout. Vous voyez ça en Toscane. OK. Euh, Naturellement. Ça, on appelle le musée à ciel ouvert. Regardez les statues qu'il y a là-bas. On appelle ça euh, Place des Signories, musée à ciel ouvert. Regardez les statues qu'il y a là, c'est magnifique. C'est tout un musée au ciel ouvert. C'est pour ça qu'on appelle ça euh, place, euh, place des Signories, musée à ciel ouvert. Là, il y a le David, le David de Michelin, j'ai une copie naturellement, devant l'hôtel de ville de Florence. Bon, alors naturellement Florence, une journée complète. On arrive à l'hôtel, on mange à l'hôtel, et le jour après, on peut visiter Pise. Pise, patrimoine de l'UNESCO. Pise, cette euh, Piazza dei Miracoli. Il y a quatre activités à faire. Regardez à gauche complètement sur le cimetière, la tour de Pise, le baptistère et l'église. Alors naturellement, on appelle ça Piazza dei Miracoli, la place des miracles. C'est très intéressant à voir Ça Écoutez, tout le monde veut voir Pise, mais certain qu'une fois que vous voyez ça, vous dites, ah, j'ai pensé que Pise est plus grand que ça. C'est oui, une petite place, c'est très, très, très joli à voir une fois dans votre vie. Et euh, il y a aussi là-bas, on nous prépare une surprise. Je ne peux pas oui. m'aventurer, mais ça va être une surprise musicale avec des grands collaborateurs à moi que je, je joue oui. avec eux depuis longtemps. En fait, Pise c'est la ville que j'ai visitée le plus souvent en Italie. Oui. C'est comme mon, mon, mon euh, quartier général. Pise, c'est euh, à place de Pise, naturellement. Euh, une fois qu'on visite Pise, on a une surprise encore, Marco. Je pense que ah oui? Dit, hein? Oui, on va regarder les photos maintenant. Alors, nos photos, voilà. Regardez, ça, c'est de la femme qui a sauvé la tour de Pise. Magnifique, <laughs> n'est-ce pas? Aujourd'hui, les femmes font beaucoup de choses. Sauver la oh. tour de Pise, ça prenait une femme, vous voyez? Sinon, il allait tomber à terre. Une blague. Regardez, on, va, on est à Toscane. Okay? On est à Toscane. On va aller chez mes amis. Vous savez, Fernando, ça fait 40 ans que je fais ce métier. Je suis un guide officiel italien avec un diplôme d'Italie. Alors, on va chez mes amis. Allez, notre photo. On va chez mes amis dans ce vignoble. Une autre photo. Voilà. Encore une autre photo. C'est un vignoble en Toscane, pas loin de Pise. Allora, c'est il poggio di Monte Carlo, se Monte Carlo è la villa, lo sconvoi lì, se vi siete un po', è a côté a Collodi. Collodi, se la vede è la foto, la villa di Pinocchio, C'est là che mi viene l'istoria di Pinocchio, giusto in photo. del allora. foto, une fatto des di prodotti locali della Toscana. A droite, è mia femme, voyez? ma mia bella femme. Allora. Il s'appelle Germaine, non, il s'appelle Pina. Oh, enfin, oh. Moi, je l'appelle Germaine parce que... Le, un, est un, des plus, beau, hein. un, un des plus beaux produits locaux, en fait, Pina. <laughs> OK, ça c'est vrai. Alors, regardez le vin à volonté, l'eau à volonté, on a un repas typique toscane. Oui. À volonté, ok. Le seul problème qu'il y a ici, c'est, après <laughs> le repas, dire où est l'autobus, parce que vous n'allez pas le trouver. <laughs> je vous dis pourquoi, parce qu'il y a il y a la grappa, vino santo, vous avez du vin à volonté. Je vous dis, c'est toute une orgie de vin, je vous dis. Très intéressant. La grande bouffe. Voilà, Pinocchio, vous avez à côté, là à côté, ouais. on faut s'arrêter pour faire la, la photo de Pinocchio. Pinocchio, c'est une légende que vous connaissez, c'est une histoire qui est faite à Collodi, de M. C'est une histoire qu'on peut raconter aux enfants. Très intéressant. On va s'arrêter pour faire la photo. Alors, vous pouvez rester toujours à l'hôtel, sans rien faire, sans problème. Vous pouvez rester là, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, naturellement, c'est des coûts supplémentaires que vous avez, que vous, vous avez sur le programme qu'on va vous envoyer. On a les cinq terres, les cinq oui. terres. Pourquoi s'appellent les cinq terres C'est parce qu'il y a cinq villages. Alors, nous, on prend les bateaux et on va les cinq villages par via bateau. OK Et oui. on va s'arrêter à deux villages. Okay. Visiter les deux villages. Euh, Monterosso, naturellement, va s'arrêter après à Porto Vena. On va décider quel village est disponible cette journée pour le visiter à pied. Alors, c'est de toute beauté cette journée-là. C'est une journée complète, complète. On part le matin et on retourne à l'hôtel euh, en, en soirée. En passant, euh, les Cinque Terre sont dans une autre région oui. Euh, donc, c'est comme si on faisait finalement quatre régions euh, et même un, deux pays parce que Saint-Marin, c'est un autre pays. Alors, on visite quand même euh, pas mal, pas mal quand même. Oui, le sanctuaire, c'est à Ligurie. Ça veut dire qu'on oui. a fait la Venise, on a fait l'Emilia-Romagna, on va faire la Toscane, oui. la Ligurie et aussi l'Attium parce qu'on va à Rome, n'est-ce pas? Alors, tout ça, vous voyez en bateau. Un bateau va se promener en bateau. Mais une chose est certaine, je vous dis honnêtement, si cette journée-là, il y a du vent, des vagues, le, le bateau ne part pas, mais l'activité, on va la faire pareil. Ça veut dire qu'on le fait en, en train. Sinon, on le fait sans bateau, et retour, on le fait en train. C'est yeah. les cinq terres. Waouh! C'est magnifique, les cinq terres aussi. Oui, oui, oui. Vous allez adorer. adoré. est là? Là, maintenant, écoute, on est 23 minutes, Marc, hein, qu'on parle maintenant. Euh, okay. Ici, on est à Rome. Okay? Rome, la capitale d'Italie. À Rome, on fait un tour de ville guidé, compris dans votre forfait. On arrive, on fait un tour de ville de Rome complet. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire le maximum du temps qu'on a. Et on a un peu de temps libre, puis ici et là. Et Rome, c'est magnifique, le Colossais. Le Colosse colossal, c'est immense. On va vous expliquer pourquoi le Colosse est détruit. Ce n'est pas parce qu'il était dur. C'est parce que les Romains ont pris des pierres pour construire Rome. Ça, c'est le mausolée d'Adriano. On appelle ça euh, château des anges, à cause de l'ange qu'il y a sur le... château-là, vous savez, il y a une passerelle de château d'anges de château qui s'en va au Vatican. Mm -hmm. Et si, au cas où, il y a un conflit mondial, c'est déjà arrivé, le pape, facilement, avec ses passerelles, il pourrait se cacher à l'intérieur du mausolée. C'est une forteresse. C'est déjà arrivé. OK mm. C'est magnifique le soir si on peut faire un petit tour après, euh, avant d'y aller à l'hôtel, naturellement. Alors, c'est le mausolée d'Adriano, place de la République aussi, magnifique. Rome, écoutez, Rome, il faut la voir cette année. L'année prochaine, Fernando, il ne vend pas des voyages à Rome. En fait, on ne vend pas des voyages en Italie l'année prochaine, je te dis, Marco. Ah. Et, non, ce n'est pas possible. Je te dis aux gens, je cherche de trouver des hôtels. Il n'y a pas d'hôtel. Les hôtels, okay. hôtels qu'il y a, ça coûte trois fois le prix. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, il y a le jubilé. Et le jubilé il cause non. énormément de pèlerins. Et regarde, on, on, on est en train de réserver un groupe par homme. J'ai payé 110 euros, il me demande 250 euros. Bon, ben, on ferait une édition en camping. On va faire hey, du camping. Je pense pas avec moi parce que moi je camping. Moi on je veux que les nuit. clients ils sont bien, dans un bien hôtel, relax, et tout, un confort euh, total. Il fait chaud, il fait chaud, on va bien, ça va bien aller. <laughs> on là, en fait, vous là. avez ici, vous avez y a de euh, ça, est... place Venise, très jolie. Il y a un musée à l'intérieur, la ça, place Venise. Ça là, c'est la, ça là, pour moi, c'est la place la plus impressionnante de, de toute la planète. Ça a l'air petit là ça là, mais quand vous êtes là là, c'est la grosseur de cette, de cette structure. -là, oui, oui ça représente, ça... écoute, ça représente naturellement Vittorio Emmanuel, le roi d'Italie, à, mm -hmm. à droite et à gauche, des fontaines. C'est mm -hmm. en fait dire que l'Italie-Rome est entre deux mers, la mer Adriatique et la mer Tyrienne. Mm -hmm. euh, C'est quelque chose d'exceptionnel. Euh, C'est magnifique, surtout le soir, luminaire, tout ça. Mais maintenant, avant, on pouvait y aller en autobus, aujourd'hui, il faut y aller à pied. Parce que Rome, dans ce quartier-là, oui. est tout fermé, juste à pied, il faut y aller. Mais c'est vrai, c'est joli le soir comme la nuit. Ah, ça, c'est de... place d'Espagne. De... Place non, c'est place ah, non. de Fontaine de Trèves, excusez-moi. C'est la Fontaine de Trèves, ben oui. <laughs> Fontaine de Tréves. Pourquoi ça s'appelle Fontaine de Trèves? Regardez bien à droite, à gauche et au centre. Il y a une, deux, trois rues. Trois rues. Fontaine de Trèves. C'est pour ça qu'elle s'appelle Fontaine de Trévis. On a vu, c'est une rue. Ça n'a oui, rien alors... à voir avec les piscines Trévis. Okay, je vous dis tout de suite. Ce <laughs> n'est pas la même chose. <laughs> voilà, regardez, magnifique, la Fontaine de Trévis. Très, 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 très jolie. En plus, ils l ont, écoute, pendant des années, ouais. euh, ils l'ont fermé ouais. pour toute la polir. Elle, elle est blanche, là, oui. immaculée. Juste, juste dire, Marco, l'eau qui vient de la Fontaine de Trévis, c'est l'eau que les Romains ont fait rentrer encore à Rome à l'époque c'est de l'eau des de, de, de Rome antique, en fait de des de choses que les romains ont faites rentrer à Rome c'est l'eau qui vient qui vient de du de système des fontaines que les romains ont fait bon rien de moins non alors place d'Espagne Espagne Place d'Espagne Santa Trinità de Monte l'église en arrière cette église appartient à la France. Vous avez à Rome, beaucoup d'édifices des pays ont acheté pour rénover parce que écoutez il y a trop, mais ça appartient à la France. L'église s'appelle Santa Trinita dei Monti et vous avez un bel vous avez à Rome il y a 17 ombélisques. Tous qui venaient les ombelisques? ils venaient naturellement de, de l'Égypte. Oui, de l'Égypte. Oui. Oui, je sais, on a 28 minutes, ma chère. Oui, là, il reste 9 minutes. Oui, on a, on a assez de temps, pas pour, on est presque fini. OK, alors regardez, c'est joli encore, euh, très joli. Très, très, très joli. De voir ça, le soir comme la nuit. Place de Navona, place de Navona. Une place magnifique avec euh, un, un obélisque au centre, un autre obélisque encore, et des fontaines. Et ça, l'édifice romain, le mieux conservé de Rome. C'est le Panthéon, l'édifice le, ouais. le mieux conservé de Rome antique. Très, très joli à voir cet édifice à l'extérieur. Mmh. Voilà, c'est le Panthéon, c'est notre photo. Mmh. Et ça, c'est le Vatican. Vas-y, vas Vatican. Voilà, le pape François, naturellement, à place Saint-Pierre. Et que vous voyez, en arrière, en avant, c'est le plus grand qu'il y a à Rome. Okay. Et regardez ces photos, c'est nous, mon groupe, moi, ça fait trois ans. On a porté au pape du sol d'arabe et on a donné ça pas au pape mais à une de ses fidèles. Et je trouve, d'après le sol d'arabe, le pape est le plus douce, plus gentil avec du sol d'arabe du Québec. Ok. Bon, alors ici c'est une surprise pour toi aussi, Marco. Alors oui. on vous amène dans une place où il y a un spectacle, de musique et manger. Écoute, c'est magnifique parce qu'on chante des, des chansons, euh, c'est des voix magnifiques de l'opéra. Alors, c'est un souper pour clore le voyage, un souper à Rome Centre. La seule chose qu'il faut faire, un peu de sacrifice, parce qu'on ne peut pas aller à l'hôtel et retourner. Alors, on fait le tour de ville, on va souper et après, on s'en va à l'hôtel. Mais je vous dis, on avait un choix d'aller à l'hôtel directement manger. Moi, je voulais mettre quelque chose piquant. Quelque chose d'intéressant, quelque chose pour finir le voyage en beauté. Et ça, croyez-moi, vous allez sortir avec une chantée magnifique. Ça va être une soirée de toute beauté. Bon, finalement, finalement, je vais me faire chanter la pomme. Oui, après, les gens, à la fin, ils chantent. Je vous dis, là, vous allez beaucoup aimer. Vous chantez pour deux motifs, parce que la musique est jolie, mais le vin est bon. bon. <laughs> Voilà, on s'en va à Isola Sagra. Isola Sagra, c'est un hôtel qui se trouve à 12 km à, à côté de l'aéroport pour que, facilement, le jour après, on peut quitter, quitter euh, l'aéroport en 15 minutes, relax le matin parce qu'on arrive tard le soir vers 9h30. 10h. Le matin, on peut partir vers 9h30 10h parce que l'aéroport est juste à côté. Alors, euh, on est dans cet hôtel de toute beauté, 4 étoiles. On va... Le petit déjeuner pour avant partir, naturellement. Et on part avec un vol direct, direction Montréal. Et on arrive à Montréal à 4h15 minutes. <laughs> Sauf le retard. Excellent. Pas. Eh, grazie, Fernando. Mais, reste... écoutez, merci, Fernando. Il... Merci à tout le monde. Oui. Une nouvelle que je peux vous dire, et ça, ce n'est pas une falsité. Ce n'est pas pour chercher de vous pousser à acheter le voyage. Il nous reste 10 places. 10 places? Oh my oui. God. Ok, il nous reste 10 places. Alors, si vous êtes. Écoutez, Bramala, je ne vous dis pas, je ne suis pas en train de vous forcer là. Bramala, là, il nous reste ce soir, Aujourd'hui, il nous reste 10 places disponibles. Il nous reste plus de single. Euh, ça veut dire que si vous voulez être seul, il faut que vous trouviez un partenaire. Alors, il nous reste 10 places ce soir. Ok? On Et avait a... des questions dans le chat. Donc, il y a des gens qui voulaient savoir euh, pourquoi tu avais un coup de cœur sur Pise. Oui. Euh, mais il y a des questions plus spécifiques aussi sur le voyage. Donc, euh, c'est quoi la durée moyenne des excursions? OK. Et comment fonctionne ma... la réservation des places à la plage? OK. La place à la plage, c'est libre. Tu n'as pas besoin de réserver là. Tu peux aller à la plage quand tu veux sans problème, OK? La plage, il pas de problème. Pour les activités... C'est une journée relax, On fait naturellement, quand on arrive à Florence, Florence, il faut marcher à pied parce qu'on ne peut pas le faire en autobus, naturellement. Mmh. Mais écoute, moi, ça fait 40 ans que je fais ça avec des les personnes, tous les âges, tous les niveaux physiques. On n'a jamais eu des problèmes parce qu'on peut s'arrêter, on peut relaxer sans problème. Alors, pour les visites extra, il n'y a pas de problème. Pour la plage, pas de problème. Vous pouvez vous promener, aller sur la plage sans problème. Donc, euh, il y a des gens qui demandent pour des politiques de cancellation. Je pense qu'ils pourraient vous écrire directement pour ce type oui. d'information. Et j'ai aussi la question est-ce qu'il faut absolument parler en italien pour euh, faire le voyage? Non, absolument <laughs> non. Tous les, tous les groupes euh, tous, les les guides, tous les guides, y compris moi, avec l'accent italien. Ouais. Moi, je vais être avec vous tout le temps, tout le temps en autobus sur mon tas des explications tout le temps, c'est moi qui coordonne naturellement le voyage avec la collaboration d'Épina et euh, Antoniette, ma fille, et Marco. Mais, moi, je, je fais ça à 40 ans, je suis un guide officiel, c'est moi qui vais être là. Oui. Toutes les questions au niveau du voyage, euh, moi, je peux vous répondre. Si vous avez des questions que vous voulez savoir, qu'est-ce qui se passe à droite, à gauche, demandez-moi n'importe quoi, je, je suis certain que je peux vous répondre à toutes les questions. Oui, ah, vous ça, pouvez parler facilement en français parce que et aussi les guides locaux, ils vous parlent en français. Et certains hôtels qu'on a, vous oui. pouvez parler en français, certains en anglais, mais en général, vous n'avez pas des problèmes à vous faire comprendre. Euh, on m'a demandé pourquoi euh, j'ai un coup de cœur à Pise. Euh, ben Pise, ce n'est pas grand, c est, c est, je ne sais pas, il y a quelque chose de sympathique. Je trouve que c'est beau, c'est beau pour les yeux aussi. La Toscane, les villes, c'est très coloré, les buildings sont colorés, c'est tout, je ne sais pas, il y a quelque chose de, 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 de doux dans tout ça, puis j'ai toujours aimé Pise. C'est peut-être parce que culturellement aussi, je l'ai vu beaucoup. J'ai joué beaucoup à Pise euh, et on a une surprise musicale à Pise. Euh, on ne dévoile pas tout, là. Alors on ne peut pas tout dévoiler. Et sinon, il y avait une question, attends, la réunion, très hâte d'aller en Italie. Ok, cool, merci. Vraiment, on a hâte de partir avec vous. Euh, il y a des gens qui reviennent euh, depuis le début, fait que c'est bon signe. Euh, Isabelle, en passant, euh, qui vient souvent. Et on a Gaëtane qui revient, deuxième année. Merci, Gaëtane, de nous faire confiance. Nous, on, Fernando, moi et, P et Pina, on s'organise pour que tout le monde soit bien tout le temps. Et jusqu'ici. Euh, Je sais on... qu'Isabelle apprécie beaucoup le voyage sur le temps. C'est une <laughs> dame qui est très bien pour l'économie italienne, Isabelle. Hein? Elle fait beaucoup, beaucoup <laughs> d'investissement en Italie, Isabelle. t'es un hein? hein? amour. C'est une femme extraordinaire. Qui dérange pas, il fait ses choses, et <laughs> aime ça faire du voyage. Y a On Micheline est aussi je suis très content revient, de t'avoir hein? avec nous, Isabelle. Il y a quoi Il y a Micheline tu... aussi qui revient là, me semble, non C'est ça Attends, Ben oui, Micheline, Micheline et Bonjour, Harry, Micheline, est là, Hélène et Pierre, c'est des habitués là, maintenant aussi là. On est vraiment contents. Là. je suis, hyper suis, suis, pas reconnaissant. Puis, euh, à chaque fois, ça me fait chaud au cœur là, de savoir que. Euh, que les gens me font confiance déjà et, euh, et qu'on parte ensemble. C'est comme une, une belle grande famille, alors euh, tant mieux. J'ai une autre question. Oui. Donc, dans les excursions qui sont incluses, euh, oui. les excursions incluent une partie libre. A-t-on un risque de vous perdre durant la sortie? Je n'ai pas compris la question. Est-ce <laughs> que les gens peuvent se perdre durant les sorties? Non, écoutez, ça fait 45 ans, je n'ai jamais perdu personne. Quand je voulais perdre quelqu'un, je le perdu. Alors, c'est à vous de décider sur l'être. C'est En général, il n'y a pas de problème parce que, écoutez, on, vous avez des écouteurs avec vous. Vous avez des oui, appareils oui. que vous pouvez être à 600 mètres de moi et vous m'écoutez. Alors, je vous dis, on va se trouver là. Et après oui. avoir va quitter, je vous dis, qu'est-ce qu'il faut faire. Oui. Écoutez, depuis 45 ans, je fais ça, je n'ai jamais perdu personne. Je ne vais pas le perdre aujourd'hui. Euh, moi et Isabelle, on est toujours en arrière, les derniers pour s'assurer qu'on parle à personne fait que Milan me suit tranquillement puis j'ai un grand drapeau et un drapeau en avant puis un drapeau en arrière et quand on a des, des, euh, des heures libres ben, on, est, on est très précis sur l'heure sur où est-ce que le le, le rendez-vous pour le retour Mais jamais on va laisser quelqu'un derrière c'est sûr là. Fait que au cas où il y a un problème grave vous avez mon téléphone on m'appelez, et Exactement. je voudrais quoi euh, faire euh, Ça va, sans... oui. Ça va couper les amis. Si vous avez d'autres questions euh, par messenger, il n'y a pas de problème. Écrivez-moi, écrivez-moi euh, en privé ou même euh, pas en privé. Mais euh, vraiment, merci. Merci Fernando. Et Je ciao, vous embrasse de... tout le monde. Souhaite... On va voyager. On fait un magnifique voyage. Ciao, ciao oui. tout ciao, ciao, ciao. Bon voyage. Salut, ciao. Allez. Merci Geneviève. Bye.